Oh. Zi famille, zi manouette, où sommes-nous? Oui, nous sommes à la commune de Vazzanello, en Italie. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Il est écrit Casa della Cultura Camerounese. C'est bien en français, maison de la culture camerounaise. Nous allons parcourir, nous allons nous entretenir avec monsieur le maire de la commune de Vazzanello. Il va nous parler de la culture, de l'histoire. Comment est-ce qu'il y a eu cette connexion et des acteurs qui ont contribué à ce que aujourd'hui le Cameroun, la main noire, parce que je vais vous dire, au moment premier, soit représenté en plein cœur de Vazzanello. Donc, suis-moi, ça se passe là. Allons-y. Ici, nous sommes au cœur de la maison camerounaise de la commune de Vazzanello. Regardez derrière, on a le décor planté de la chefferie. Je peux dire camerounaise et bamiléké en particulier. Camerounaise en général et bamiléké en particulier. Maintenant, nous allons faire le tour rapidement. Regardez là, l'installation. Ici, nous avons les dons faits par le roi Momo Ier et d'autres chefs du département de la main noire et chef Bamiléké à la commune de Vazzanello lors du contact, histoire de promouvoir notre culture à travers ces objets sur le territoire italien pour que la diaspora et les ressortissants de l'Ouest du Cameroun puissent être en connexion, puisse toucher le doigt ce qui se passe chez eux, comment est l'histoire. Parce que vous savez, beaucoup d'enfants de la diaspora n'ont pas cette chance de se déplacer pour en retourner à la source. Donc c'est pourquoi on a eu à faire ce don pour que les enfants de la diaspora puissent bénéficier de cette culture ici. On va aller retrouver monsieur le maire de Vazzanello pour qu'il nous parle en quelques mots de cette coopération, de cet échange, de tout ce que nous avons. Allez. Je vais faire en français parce que la communauté va suivre et on aura la traduction par notre. Okay. Monsieur le maire, bonsoir, une fois de plus. D'où est née, en quelle année est née la coopération Italie-Cameroun? Vazzanello et le Cameroun, plus précisément, Tchang. On parlait à Noé Nata, la coopération de train. Si, la coopération de train. Nata 20 anni fa con la collaborazione dell'Università della Duce di Viterbo col Policlinico di Roma. E è partita con la progettazione e l'escavazione di pozzi artesiani per trovare l'acqua. Da lì la precedente amministrazione e le precedenti amministrazioni hanno continuato questo gemellaggio che c'è stato prima con Chang, Remo prima con Vazzanello. E quindi c'è stato sempre un rapporto di collaborazione reciproca e è continuato con i pozzi, è continuato con altre emergenze e l'anno scorso c'è un bellissimo progetto europeo bello consistente di 1.080.000 euro per fare, speriamo, tante cose. Voilà, là, c'est né grâce à la collaboration avec l'Université de la Tuscia et la Touche et le Policlinico di Policlinico Gemello. Sì, Umberto Primo, pardon. Et donc voilà, et par la suite on a étendu la coopération sur plusieurs domaines. Il y a eu les puits qu'on a creusés et récemment il y a eu un très beau projet en 2022 de l'ordre de 80 000 euros et on espère pouvoir faire quelque chose dans ce sens. C'est d'accord. Et maintenant aujourd'hui, quel est l'apport? Quel est le bénéfice qu'a la communauté italienne résidant en Italie et la diaspora camerounaise résidant en Italie avec ce musée? La comunità italiana non beneficia di nulla. Dei progetti che vengono fatti per il Camerun non rimane in Italia, che è Vazzanello, nemmeno una lira, nemmeno un centesimo, nemmeno un euro. Tutti i soldi vengono spesi per i progetti in Camerun.
La coopération italo-camerounaise ne bénéficie en rien en Italie. Tout l'argent que l'on met à disposition de cette coopération, c'est le Cameroun qui en bénéficie. Noi mettiamo a disposizione solo il personale che viene pagato con le risorse del progetto. Ma al comune di Vasanello, di questo progetto, nelle casse comunali non rimane nemmeno una lira. Dans les caisses de la commune de Vasanello, il ne reste même pas un seul centime. Tout ce que nous faisons, nous mettons le personnel à la disposition et ce personnel est payé. Pour tout le reste, la commune ne bénéficie de rien. Ouais, alors tout le fonds mis sur place pour le projet Cameroun est envoyé entièrement au Cameroun et ici on ne bénéficie rien. Maintenant, monsieur le maire, pour sortir de cet entretien avec vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette communauté camerounaise qui nous regarde à travers le média que nous avons, que je suis porteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté camerounaise? Moi, j'aimerais dire à la communauté camerounaise. C'est le message à la communauté camerounaise. À la communauté camerounaise de l'Italie. Un saluto e innanzitutto Vasanello continua il gemellaggio da 20 anni e intenderà continuarlo con altri progetti. Ribadisco il concetto che il nostro comune non ha alcun beneficio, ma tutti i fondi vengono stanziati per il popolo camerounese. Voilà, je continue à dire à la diaspora camerounaise que depuis 20 ans, nous collaborons dans ce sens, nous allons continuer à faire des projets, nous ferons d'autres projets et que voilà, rien ne reste dans la caisse de Vasanello. Bon, je vais sortir rapidement pour vous dire, j'invite toute la communauté italienne camerounaise de la diaspora qui venir visiter le musée de Vasanello. Ici, vous allez voir ceux qui n'ont pas de l'occasion d'aller au Cameroun et de visiter encore le Cameroun. Ils peuvent venir ici et regarder, toucher les objets d'art, visiter. C'est ouvert à tout le monde. C'était Joël Gogne, François Amour, le plus Vasanello, avec monsieur le maire. Moi, c'est Amélie Zantia. Merci beaucoup. Merci.